Maëva? Je suis ici. Comment ça qu'il y a un lit de bébé ici? On n'a pas les moyens d'acheter ça à ta cousine. Quelqu'un me l'a prêté. Tabarnak. Ça lui prend un lit pour dormir à ce petit bonhomme-là. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Joe, avant que tu dises quoi que ce soit, écoute. Non, non, y a rien que tu peux dire qui peut expliquer ça. C'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, ma crise de folle. Écoute, je sais que j'aurais pas dû faire ça, voler, c'est pas bien. Pas bien? Chris, tu vas te faire enfermer pour ça. Je me suis dit que si on s'occupait de quelque chose pendant un petit bout de temps, juste à nous... À nous? Hey, t'as pris le bébé de quelqu'un d'autre, Chris, t'as malade mental! C'est ta cousine, ce bébé-là? Non, c'est pas sien. T'es pas capable de voir ce que t'as fait, hein? Veux-tu que je t'explique? Non, Chris, je veux pas que tu m'expliques. Je veux qu'on t'enferme en quelque part avec une hostie de camisole de force. J'en ai plein de cul, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini, Joe? Chris, avoir des enfants? N'importe qui fait ce que tu viens de faire est pas apte d'être une mère. Puis pense pas que je vais t'aider, je t'aiderai pas. Je vais signer n'importe quelle hostie de déclaration qui dit que t'es malade dans la tête, hostie d'égoïste. Qu'est-ce qui est fini, Joe? Je fais plus semblant. Faire semblant que notre vie ensemble, c'est pas un mensonge. Faire semblant que je suis intéressé par toute la bullshit que tu racontes sur notre avenir ensemble. Faire semblant que ce que je fais à tous les jours, ça vaut tout ça. Faire semblant que je suis content de revenir à la maison quand dans le fond, hostie, j'ai juste envie d'être ailleurs. Puis le pire, là, faire semblant que t'es normal puis que je t'aime encore. Pas normal? Chris m'avoue en tout cas que c'est pas normal ce que tu fais. C'est une poupée, Joe. C'est pas un vrai. C'est fait exprès pour que les futures mères se pratiquent. Je l'ai volée parce que je me suis dit que si on passait une fin de semaine ensemble à s'occuper d'un enfant, t'en voudrais autant que moi. Pour qu'on désire quelque chose ensemble, c'est tout, Joe. Rien de plus que ça, rien de malade mental, juste quelque chose pour me rapprocher. Je me disais que ça nous prenait ça. Mais t'as d'autres plans. T'as envie d'être ailleurs. D'être avec quelqu'un d'autre. Quand est-ce que ça a commencé avec elle? Est-ce que c'est avant ou après que j'ai su que j'aurais de la difficulté à avoir des enfants? Eva. Avant? Ou après? Avant. Je sais pas pourquoi ça me réconforte de savoir ça. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Oh? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je vais rien faire, Joe. Tu viens de me dire ce que tu penses de moi. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Comment tu voulais que ça se passe? Que je sache jamais? Puis tu continues à faire semblant? Ou peut-être que j'aurais trouvé quelque chose dans tes poches? Quelque chose qui te trahirait puis qui m'amènerait à te confronter? Puis on continuerait avec nos vies? Avec moi qui se demande c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui cloche avec moi pour que mon mari ait envie de baiser d'autres femmes? Toi qui dis que ces choses arrivent, que c'est la vie. C'est comme ça, tu voulais que ça se passe? Veux-tu que je t'explique? Dis rien. Je te laisserai pas la chance de te justifier. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal, Joe. Puis c'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de comprendre. Je vais prendre une des bonnes valises. Je vais te repasser du linge. C'est peut-être pas ça que je veux. T'as pas le choix. Je fais mon possible pour garder le peu de dignité qui me reste. Si tu t'en vas pas, je finirai par t'arracher les yeux de la tête.